Place à présent à la battle de la team Siliki Diabaté. Job Suzanne, Khali. Suzanne, jeune demoiselle du Sénégal, rêve d'être une grande chanteuse internationale. Lors des auditions, c'est pour sa mère qu'elle a chanté de tout son cœur afin de lui faire honneur. Et c'est le coach Siliki Diabaté qui lui ouvre les portes de l'aventure de The Voice Kids. Je me sens bien, je suis contente et je suis fière de moi parce que avoir fait retourner Daphné et Siliki, c'est quand même quelque chose. Je pense que Suzanne avait du mal à gérer son stress. Vu l'événement, vu la grandeur, vu le public, je pense qu'en travaillant un peu avec sa voix, avec moins de pression, ça pourrait faire l'affaire. Diouf Maïmouna. Lors de sa magnifique interprétation du titre Daddy de sa compatriote sénégalaise Adiouza, Maïmouna, plus déterminée que jamais, arrive à toucher par son timbre vocal les coachs KS Bloom, Daphné et Siliki Diabaté. Elle décide donc d'intégrer la team de Siliki Diabaté qui buzz à la dernière seconde. Je voulais Siliki. C'est lui que je voulais comme coach. Quand il a buzzé. Diouf Maïmouna a du talent et elle a une superbe voix. Elle a ce côté un peu traditionnel et en plus elle chante moderne et ça se voit qu'elle envoie quoi. Ça se voit qu'elle envoie. Qui est nous Salif? Salif, le boss, comme aiment l'appeler ses proches, est né d'une famille de chanteurs. Cette graine de star a déjà presté au Burkina Faso, son pays, aux côtés du grand Siliki Diabaté qu'il a même reconnu lors des auditions à l'aveugle. Sa magnifique interprétation de Folon de Salif Keïta convainc Daphné et Siliki Diabaté. Et c'est naturellement qu'il rejoint la team de Siliki Diabaté, son artiste préféré. Quand j'avais vu Siliki se retourner, j'étais très très content, jusqu'à ma main même tremblait comme ça. Salif, je pense que c'est un jeune, il est talentueux. Je pense qu'il peut aller loin, s'il est sérieux et s'il travaille bien. Et je vois dans sa chanson qu'il veut le faire, il peut le faire aussi. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi, pour qu'il représente dignement son pays, sa famille et ce qu'il est. La chanson serait Manumako de Ismaël Isaac. Je me suis dit, c'est une chanson compliquée, mais on va tout faire pour relever le défi. De toute façon, on est là pour relever des défis. Moi, je ne connaissais pas la chanson. Moi, j'étais content parce que je connaissais la musique. Les répétitions avec Siliki sont vraiment cool. Dans mon équipe, il y a Salif et Suzanne, mais je ne connais pas trop Salif. Mais Suzanne, elle, c'est une Sénégalaise comme moi et c'est ma petite sœur, je l'aime trop. Mais au début, je ne voulais pas faire une battle avec elle. Ça me mettait hors de moi, mais c'est la vie dans la forêt. Parfois, tu manges, parfois, tu manges et tout. On va faire avec Maïmouna. C'est ma sœur. Elle chante vraiment bien. Elle est très, très forte, je l'avoue. Même si c'est ma sœur, elle est là pour gagner et je suis là pour gagner aussi. Maï, elle chante bien et Suzanne aussi, elle chante bien. Quand elle chante, elle peut monter jusqu'en haut. Salif, j'adore son grain de voix. Il a une voix un peu particulière. Et c'est un peu comme la voix de Siliki. Si tu écoutes bien, c'est comme la voix de Siliki. Ils sont tous les deux bien, mais on verra avec l'issue de cette battle. Suzanne, Maïmouna, Salif, ils étaient contents d'avoir cette chanson, mais ils ne la connaissaient pas. Je comprends, c'est la nouvelle génération. Et je me dis que cette nouvelle génération a besoin de rendre hommage aux grandes personnalités comme Ismaël Isaac, comme Tonton Alpha Blondy, comme Amadou et Mariam, comme Tonton Salif Keïta, qu'ils retournent en arrière pour écouter, apprendre cette chanson. Et pour aller de l'avant, ça va être très facile. Même ce qu'on va monter sur scène, ça va carrément déchirer. C'est vrai, on ne comprend pas les mots, mais on va essayer de faire avec. Si je suis retenue, je serai content, mais si je ne suis pas retenue aussi, bon, c'est un jeu, c'est pas la guerre. En tout cas, on vous réserve une très grosse surprise, alors on vous donne rendez-vous. Je ne vais pas vous en dire un peu plus parce que c'est une surprise. Le boss monte sur scène. Préparez-vous et frabonnez. À présent, place au battle.
chez le coach Sidiki. Il a réuni deux panthères noires qui viennent de la magnifique et somptueuse ville de Dakar au Sénégal, accueillant successivement les belles Suzanne et Maïmouna. Associé à ces deux perles, un excellent chanteur qui a eu la chance, bien sûr, en 2020, de pousser la chansonnette sur une chanson, un titre magnifique baptisé en Kadi Alama, qui signifie en Bambara « Je donne tout à Dieu » avec son coach Sidiki Diabaté. Il vient du pays des hommes intègres, le Burkina Faso, l'excellent Salif. Et maintenant, place au battle. Sans voix. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour Maïmouna, Suzanne et Salif? Ouh. Oh là là. Et je ne sais pas, mais touchez-moi. Je ne sais pas si je suis encore là. Touchez-moi. Mais votre façon de revisiter Maïmako de Ismaël Isaac m'a donné la chair de poule. Et je me sens renaître. Waouh. Ils sont talentueux. Sidiki. Bravo. Bravo. Waouh. Alors, Kazloum, oui. Avant de demander l'avis des autres coachs, j'aimerais juste dire... Chapeau à vous trois, vous avez grave assuré. Merci ça. Beaucoup. Je tenais à vous le dire. Du coup, KS, on est tenté de vous poser la question suivante. Est-ce qu'un jour, on reverra une chanson de KS, Allo, Allo, peut-être version mandingue? Bien sûr, on y travaille avec mon frère Sidiki. Sidiki. Applaudis, s'il vous plaît, avec Sidiki. Sidiki. Alors, coach Tia. Oui. Ah, ils sont forts, hein. Ah ouais. Non, ils sont forts. Mais alors, ce qui m'a plu dans cette chanson, c'est que j'ai eu un peu peur hein, que le jeune homme, donc Salif, occupe peut-être trop d'espace hein, dedans. Et puis, heureusement, à la fin, les filles se sont réveillées. Alors, il y a Maïmouna qui nous a sorti vraiment une envolée fantastique.
Et puis Suzanne, eh ben, elle ne s'est pas laissée démonter. Elle a pris sa place également. Elle a occupé l'espace. Elle a occupé. Elle a pris ses responsabilités. Eh bien, bon courage, hein, Sidiki Diabaté. Pas facile. Hein. Pour en chérir, je pense que ce qu'a fait Maïmouna dans les rues d'Abidjan, c'est ce qu'on appelle Maïmouna qui a remonté. Alors. C'était votre avis, coach Tia. Alors, Daphné, si aujourd'hui il fallait faire un choix, le choix de Daphné, ce serait lequel ce soir? Ça, ce n'est pas mon fardeau, hein. Ce n'est pas mon fardeau à porter. Mais en tout cas, je veux leur dire vraiment bravo. La force de les voir et toute cette présence, je l'ai vraiment sentie. Et je vous dis bravo, vraiment. Wow. On s'est revu toute l'africanité dans leur tenue, leur coiffure. C'est extraordinaire. Je vois du riche basin sur notre très chère Suzanne, de belles parures, Cory, et surtout ce magnifique boubou de notre très chère modernisée avec une paire de baskets en bas, de Salif, ça s'applaudit s'il vous plaît. Oh là là! En plus d'être talentueux, ils ont de la classe, et ça, c'est à votre honneur, coach Sidiki. Mais on va laisser l'honneur de côté et vous demander maintenant votre avis, bien sûr, avant de savoir qui de ces trois immenses talents poursuivra l'aventure avec vous. Franchement, c'est difficile. Franchement, c'est vraiment difficile. Je pense qu'ils ont tous été formidables. Vraiment, vraiment. En si peu de temps. Je tiens à saluer Suzanne et Maïmouna parce que c'est des Sénégalaises. Et elles ont appris cette chanson. Elles ont appris à parler djoula. Et je pense qu'ils ont bien fait. Salif aussi, il a osé, mais je pense que ce qui est très important pour moi, c'est l'esprit de groupe. Moi, je suis un musicien. Quand on chante ensemble, il faut faire la part des choses, il faut donner de l'espace, et c'est très important. Et je pense que vous êtes tous à saluer. Chez choix. Je sens l'émotion. C'est... s'il vous plaît. Il faut. Alors, je suis. Kotsidiki. C'est tellement compliqué que je suis. Je suis obligé de vous dire, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais qu'est-ce qu'il y a? Écoute. Alors. Je voudrais juste les dire que je les aime beaucoup. Oui. Personnellement, je les aime beaucoup. Je sais qu'il y a d'autres qui se disent que ça va se limiter ici, on ne va plus se voir. Je voudrais savoir que je suis votre coach à vie. Je suis votre grand frère à vie. Bon. C'est clair. Je voudrais leur donner la parole si ils ont des parents, de la famille à saluer, des choses comme ça. Après, on va. Ça me donne le temps aussi de bien réfléchir. De Dakar jusqu'à Fatala, à la frontière entre la Gambie et le Sénégal, est-ce que tu as quelque chose à dire à tous ceux-là qui te suivent aujourd'hui et tu es une fierté pour tout le peuple sénégalais? Vas-y, parle-leur. Ben avant tout, je salue mon grand frère. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, pour Maïmouna? Hey, Maïmouna, t'es une championne, Maïmouna. Allez, je vais entendre dire tout le monde, Maïmouna, Maïmouna. Merci. Maïmouna, t'es forte. Allez. Vas-y, Maïmouna. Mon père, je l'aime beaucoup. J'ai rien à dire. Chapeau à lui. J'ai pas les mots parce que... Il a été toujours là. Voilà, c'est lui qui m'a soutenu. Si. Oh là là, Maïmouna. Merci au grand frère de Maïmouna. C'est incroyable ce qui se passe ici ce soir sur la scène de The Voice Kids d'Afrique francophone. Et je suis sûr que chez vous aussi à la maison, il y a beaucoup d'aller-retour aux toilettes. Allez, s'éponger un peu. T'es forte. Et au Sénégal, on dit que vous êtes des lions. Tu es une lionne, ma grande. Est-ce qu'on peut applaudir, l'aider à rugir, s'il vous plaît, comme il se doit? Bravo. Salif, hier en studio avec ton coach, aujourd'hui sur la scène de The Voice,
Est-ce que tu as un mot à dire? Sidiki et les autres coachs. Sidiki, c'est quelqu'un et je l'ai aimé depuis que je suis petit. Oui. Je suis très très petit. Quand ma mère, comme elle chante, elle m'amène et dans les mariages, je chante avec elle. Je chante les musiques de Sidiki. Plusieurs personnes me disaient, ah, Salif, que toi aussi, tu ne vas pas chanter des autres musiques. C'est à part Sidiki seulement tu chantes. Moi, j'ai dit non, c'est Sidiki que moi j'aime. Ouais. Et aujourd'hui, la preuve, tu es dans son équipe. Wow. Tu vas pas pleurer. Merci, Kazbloom. Tu vas pas pleurer. Tu vas pas pleurer, alors, mon frère. Sidiki, en Afrique, bon. On dit un garçon ne pleure pas. Ça va pleurer. Donc, s'il te plaît. Non. C'est trop tard. C'est trop tard. Voilà. Il en a coulé une. Alors, notre belle Suzanne, t'es magnifique ce soir. Et comme tous les soirs d'ailleurs, on t'écoute à présent. Je voudrais d'abord remercier ma mère ici présente. Elle a toujours été là pour moi. Merci maman Suzy. C'est grâce à elle que je suis arrivée ici. Elle a toujours cru en moi. Et vraiment, je te remercie maman. Je remercie ma famille qui est à Dakar, ma maman, mon frère, ma grand-mère, wow. Mon père. Je vous remercie beaucoup. Wow. Et je remercie aussi mon coach Sidiki parce que c'est un très bon coach. Il m'a vraiment soutenu. Il m'a appris des choses que je ne connaissais vraiment pas. Et vraiment, merci beaucoup. Merci coach Sidiki. Alors les amis, je vais vous demander de vous tenir la main s'il vous plaît. Oui, vas-y Salif. Je salue aussi mon producteur, mon oncle aussi. Cisco qui m'a amené ici. Je le salue et ma mère et mes frères et sœurs et la famille. Merci. Ils vont se tenir les mains, les amis, allez-y. Tenez-vous les mains. Et que ce plateau-là ne vous sépare guère. Aujourd'hui, avec les moyens d'Internet, vous serez toujours connectés, bien sûr. Et il a dit, il est votre coach à vie. Coach Sidiki, c'est le moment maintenant de départager. Qui de Maïmouna, de Salif ou de Suzanne poursuivra l'aventure avec vous? On est tous d'accord. On est tous d'accord que dans une telle chose, ce n'est pas que vous ne chantiez pas bien. Tout le monde a bien chanté. D'ailleurs, la prestation, elle était superbe. Mais The Voice Kids recherche l'excellence. Et je pense que moi, Sidiki, je vais décider de continuer avec. Force à vous, Sidiki. Courage. Sidiki poursuit l'aventure avec. On poursuit avec qui? Alors, Sidiki, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je veux que tous ceux qui ont crié Salif crient aussi Maïmouna, s'il vous plaît. Je veux aussi vous entendre crier Suzanne. Merci. Et maintenant, celui qui a le dernier mot, c'est Sidiki. On vous écoute. L'idée de continuer avec Salif. Avec Salif. Bravo Salif. Félicitations Salif. Les filles, bravo Salif. Mais... bravo. Venez les filles, venez. Viens Suzanne. Viens Suzanne. Viens ma grande. Viens ma grande. Mesdames. Non, pleure pas. Allez encourager vos talents. Oh. Hein. Faut pas pleurer. Yeah, on va faire beaucoup de bruit s'il vous plaît encore pour. Oui. Tété mon frère. S'il vous plaît, un instant. Un instant. Je voulais te dire que tété mon frère. Oui. Félicitations. Merci. Merci infiniment. Ce sont là des paroles fortes. Waouh. Oh là là. Et je tiens à te dire que je serai toujours là pour toi. Et que ça ne va pas être la dernière fois qu'on va se voir. Inch'Allah. Merci. On les applaudit. On va applaudir très fort Maïmouna pour Suzanne. Et Suzanne, s'il vous plaît. Maïmouna. Le Sénégal est fier de vous. L'Afrique est fière de vous, mes grandes. Et surtout, ne lâchez rien. Poursuivez jusqu'au bout. Parce que si vous êtes ici, c'est juste parce que vous avez le talent. Viens, ma grande, viens. On va encore les applaudir très fort. Comme jamais, s'il vous plaît. Merci.
Bravo Maïmouna, bravo Suzanne. Et bravo encore à Salif qui poursuit l'aventure avec nous. Salif, merci infiniment, bravo encore. Tu repartiras par là. Et mes grandes, ne lâchez rien, on vous aime. Et au Sénégal, on dit Djelou Djef. Merci infiniment. On va les applaudir très fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mais j'ai vu dans la prestation, il a osé faire beaucoup de choses qui n'étaient pas convenues dans le truc. Et je me suis dit, c'est pas mal. Mais gérer la pression, faire autre chose qui n'est pas ce qui a été donné et qui marche bien, ça aussi, ça fait un effet de surprise. Et c'est à cause de ça que je l'ai choisi par rapport à son timbre imposant. Salif sort victorieux de sa battle. Souhaitons-lui bonne chance pour la suite de la compétition.